Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente, mais je suis pas malade pourtant. Et il s'agit d'une vidéo sur la Little Box du mois de novembre. Et ce mois-ci, My Little Box a dû écouter ses abonnés qui ont commencé à avoir froid, ne pas avoir envie de sortir parce qu'il pleut, il fait gris, etc. Et donc pour leur apporter un petit vent de douceur et de cocooning, My Little Box leur a proposé My Little Cozy Box. Encore une fois, elle est super jolie. Encore une fois, elle a été entièrement décorée, toute la boîte. Et ça, c'est de plus en plus. Et je trouve que les dessins et les packagings sont de plus en plus soignés. Et ça, c'est un vrai plus. On retrouve une demoiselle qui est sur un fauteuil, sûrement assise sur une petite couverture pilou pilou avec un gros pull en maille, et elle est en train de siroter alors soit un thé bien chaud ou un chocolat chaud, ça c'est comme vous préférez. Et puis on voit des petites feuilles qui symbolisent l'automne qui volent un petit peu partout, donc on retrouve toutes ces petites feuilles qui s'envolent comme ça sur les côtés. L'étiquette du carton disait Let's stay home. Donc en gros, restez chez vous. Restez à la maison, ne bougez pas de la maison. Le ruban ce mois-ci était noir, voilà, un noir classique. L'aquarelle de Kanako ce mois-ci était en français et ça fait du bien. J'ai rien contre l'anglais, c'est pas ça le souci. Mais c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un petit peu de français pour celles qui maîtrisent pas trop bien la langue de Shakespeare. Donc elle dit, mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre du temps, perdre du temps, vivre à contre-temps, de Françoise Sagan. Françoise Sagan, c'est une écrivaine française. Et donc on retrouve une jeune fille en train de feuilleter un petit livre assise en tailleur, avec des grosses chaussettes bien chaudes. Très jolie citation, et puis l'aquarelle qui va aller rejoindre toutes les autres qui sont juste derrière moi. Le magazine, donc le My Little World, qui était plus fin que les autres, j'ai l'impression. Si jamais vous avez aussi cette impression, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je le trouve assez maigre. Mais bon, la couverture est super jolie. C'est exactement le même esprit que la couverture de la box. On retrouve une jeune fille emmitouflée dans son gros pull en maille. D'ailleurs, son gros pull est super joli. Et puis on retrouve les rubriques de d'habitude. On a des très jolies photos au début. On peut télécharger un petit Cluedo version My Little Box. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et ainsi que quelque part défilé pour que vous puissiez vous aussi aller télécharger le jeu. Ça peut être marrant, pourquoi pas. On retrouve un do-it-yourself pour faire des guirlandes de lampions. Donc vraiment, ça a l'air pas compliqué du tout. Vous voyez, c'est les petites guirlandes un petit peu style boule chinoise. Ça peut vraiment être très très joli. On parle d'une créatrice. On a un tuto nail art. On a la rubrique Help Simone. On a un tuto coiffure. Donc voilà, un petit peu comme d'habitude. On a un tuto maquillage de Simone. On avait 4 recettes ce mois-ci. Bizarrement, d'habitude on en a deux. On a les eaux cocottes à ma façon et la crème d'artichaut. Et on a également banana bread et panna cotta à l'orange. Donc voilà, de quoi se faire des bons petits plats. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu maigre, bien, mais un petit peu fin ce mois-ci le magazine. Et à la fin du magazine, on retrouve un petit code promo. En fait, il y a une petite pub pour la marque Nux. Et donc, on a cadeau, une crème main offerte. Offre valable jusqu'au 15 décembre 2014. Donc, c'est une crème main haute nutrition 75 ml offerte pour l'achat d'un produit Bio Beauté by Nux sur le site internet avec le code avantage crème11. Pareil, toutes ces petites choses là seront en barre d'infos, pas de problème. Et donc voilà, si vous avez envie de faire une petite commande chez Nux, sachez que vous pourrez avoir une crème pour les mains offerte. Il n'y a pas l'air d'avoir de limite d'achat, donc faites-vous plaisir. Alors, premier produit que j'ai trouvé, donc il s'agit d'une crème pour les mains de la marque Polar. Donc c'est la véritable crème de Laponie aux 3B arctiques qui se présente comme ceci. Donc le packaging est absolument ravissant, il est mignon comme tout. Donc c'est un grand tube, hein, ça va être un full size, il est en 75 ml. Donc on a le tube qui est argenté et puis on a un peu de rouge et de blanc avec des motifs un petit peu, vous savez, les pulls un peu, je sais pas trop, les pulls de Noël là, qui
qui sont souvent avec des flocons de neige ou des rennes ou je ne sais quoi, et bah ça fait un petit peu ce style là, vous voyez, ça fait vraiment packaging de Noël, crème de Laponie, bah voilà, la Laponie c'est là qu'est censé vivre le Père Noël, il me semble. Dites-moi si je me trompe, mais normalement le Père Noël est censé vivre en Laponie, si je me trompe pas. O3B Arctique, donc voilà, on est vraiment 100% dans ce thème-là. La petite crème du grand froid, ne vous inquiétez pas, cette vraie crème pour les mains de Laponie polaire n'a de polaire que le nom, car à l'intérieur du tube c'est chaud cacao, ambiance caliente pour paluche sans manque de douceur, si vous voyez ce qu'on veut dire. Avec son tube argenté flamboyant et ses petits flocons de neige de ci de là, cette véritable crème de Laponie pour les mains va vous tenir chaud tout l'hiver. Imaginez avec des baies arctiques, elle s'inspire des secrets de beauté des femmes lapones. Résultat, une texture toute douce, fine et onctueuse qui enveloppe vos mains comme des moufles bien douillettes, matin frisqué à nous deux. Donc véritable crème de Laponie main, donc 16,90€ les 75ml, donc c'est bien un full size. Et uniquement pour les abonnés My Little Box avec le code, donc tout en majuscule, My Little Box 2014, pareil, ce sera aussi en barre d'infos. Vous avez moins 20% de remise pour tout achat sur www.polar.com jusqu'au 31 décembre hors frais de port. Et un plaid d'hiver offert en plus pour toute commande supérieure à 50€. Cette crème, je l'ai testée et je l'ai adorée. Franchement, je l'ai trouvée super bien. Déjà, l'odeur, elle est vraiment super agréable. C'est une odeur assez légère. Bon, elle se répand toujours plus quand on l'a sur la peau. Mais c'est vraiment une crème agréable. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Déjà, je trouve que c'est très judicieux d'avoir mis une crème pour les mains. C'est vrai que, comme la crème hydratante pour le visage, la crème pour la main, on peut se dire que c'est le produit un peu bateau qu'on a tout le temps dans les box. Mais ça correspond, je suis désolée, ça correspond quand même super bien au thème quoi. Le côté cosy, le côté on veut être douillet et tout machin. Le froid arrive, il faut prendre soin de ses mains. Bah voilà. Et puis c'est pas n'importe quelle crème pour les mains bateau. C'est quand même une crème qui correspond bien à la saison. Donc je trouve quand même que l'effort a été fait. Et donc c'est une crème qui est très riche. Parce que comme vous le voyez, je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais elle n'est pas onctueuse, elle est vraiment ferme, elle a la même texture qu'un baume, c'est vraiment similaire à un baume. Elle est très épaisse, je sais pas si vous le voyez, mais elle est vraiment très épaisse. Au niveau de l'application, bon bah voilà, pas de problème, elle s'applique très bien. Elle est douce, elle est vraiment super agréable. Et c'est vrai qu'on a vraiment les mains douces après. On sent qu'on a quelque chose sur la peau, mais ça fait pas un effet collant en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Deuxième produit, donc il s'agissait d'un petit, un mini coffret, on va dire, comme celui-ci. Donc c'est de la marque Fragornard Parfumeur, je ne connais pas du tout. Donc c'est fleurs d'oranger, savon et eau de toilette. Donc il y a un savon parfumé de 50 grammes et une eau de toilette de 8 ml. Alors le coffret qui vient du sud. Une légende raconte qu'il y a fort longtemps, une déesse grecque serait tombée amoureuse d'un jeune éphèbe et qu'elle aurait capturé un rayon de soleil dans une petite boîte pour lui rappeler éternellement son souvenir. Fragornard lui a piqué l'idée avec son petit coffret à la fleur d'oranger qui s'inspire des secrets du sud. C'est trop mignon ces petites légendes. Une touche de son eau de toilette dans votre cou et c'est tout un jardin méditerranéen qui s'invite sous votre écharpe. Quand vous ferez mousser ce savon, c'est presque le bruit des vagues que vous entendrez sous la douche. Ouh là là. Donc eau de toilette fleur d'oranger de Fragornard, donc 200ml, 34€. Donc là, nous évidemment, on n'a pas 200ml. Eau de toilette douce et sensuelle associant fleur d'oranger, bergamote, mandarine, jasmin, miel et musc accompagné du savon végétal doux assorti. Donc le petit packaging, la boîte est vraiment super jolie. Donc c'est une petite boîte blanche. On retrouve des fleurs blanches donc qui symbolisent la fleur d'oranger parce qu'on a les petites oranges sur les côtés. Donc on a tout d'abord le savon. Donc le savon que j'ai utilisé pas plus tard que ce matin sous ma douche. Et l'odeur. Mon dieu, alors évidemment si vous détestez la fleur d'oranger, ce petit coffret n'est pas du tout pour vous parce que ça sent vraiment la fleur d'oranger. Mais vous savez, la fleur d'oranger dans les crêpes, si vous êtes, si vous aimez la fleur d'oranger dans les crêpes, ça va vous donner faim parce que ça sent vraiment ça, ça sent vraiment la bonne fleur d'oranger que vous avez dans les galettes des rois. Vous savez d'ailleurs, ça va pas tarder la galette des rois et ça sent super bon. Donc le petit savon, hop, il se présente comme ça, donc c'est tout simplement un petit, oh, je m'en mets plein les doigts comme j'ai utilisé, un petit savon blanc et puis on retrouve un espèce de petit soleil comme ça dessus. Et il mousse de fou, je vous assure, il mousse super bien.
et il est super doux, super agréable à utiliser. Vraiment ce matin, moi, il a beaucoup moussé parce que je le mets sur une fleur de douche, mais vraiment je sentais sur ma peau que c'était doux, l'odeur était bien présente sans être entêtante. Je dis pas forcément que j'avais la peau douce après, mais il était vraiment doux sur le moment quand je l'utilisais. Super agréable, il nettoie très bien. D'habitude je suis pas trop fan des savons pour me doucher parce que c'est vrai que ça finit par se décomposer, ça fond, ça colle et tout machin, mais lui il était super super agréable. Et puis du coup il y a également la petite eau de toilette donc qui se présente comme ça, donc un mini flacon, ma foi tout mignon. On retrouve les petits dessins qui étaient sur la boîte, et puis ça sent exactement pareil que le savon, c'est vraiment la fleur d'oranger. On sent qu'il y a des petites notes derrière, hein, comme je vous ai dit, il y a du musc, du jasmin, il y avait d'autres choses, etc. Mais c'est vrai que la fleur d'oranger, elle prime quand même beaucoup. Mais évidemment, il faut aimer la fleur d'oranger. Mon dieu, si vous avez reçu le kit et vous détestez la sœur d'oranger. Si vous détestez la fleur d'oranger, vous allez être bien triste. Mais bon, vous pouvez faire une heureuse pour Noël, du coup, vous pourrez l'offrir parce que c'est tout mignon comme paquet. Et le troisième produit, donc comme vous l'aurez compris, c'est un produit My Little Beauty. Et c'est le mascara soin et volume. Donc, qu'est-ce qu'on nous en dit de celui-ci? De celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Elle est où la carte? Elle est là. Coach du regard, allez les cils, on se motive, on ouvre la paupière, on ferme la paupière en rythme, on contracte le regard de biche, du volume, faites-moi travailler le volume, voilà c'est bien ça, ne lâchez rien. Ça c'est l'effet du nouveau mascara My Little Beauty sur vos cils, un vrai coup de boost. Faut dire qu'on a mis le paquet pour vous épater une bonne fois pour toutes, sa mission, densifier et régénérer. My Little Box, ne mettez pas de mots compliqués dessus parce que moi j'arrive pas à le dire. Régénérer vos cils, même les plus relous, même ceux que vous n'arriviez jamais à choper, en un passage ils sont tous déployés, réparés et volumisés pour un effet revolver XXL. Et tout ça c'est grâce à de la cire d'abeille et de jojoba et d'un peu d'huile vierge de sésame. Petit mais costaud ce tube. Mascara soin et volume My Little Beauty, 20€ sur mylittlecorner.fr. Encore une fois je trouve ça 10 fois trop cher pour un mascara, mais bon c'est comme ça. Donc ce mascara déjà, packaging très très joli, donc c'est un mascara qui est plutôt épais, il est pas long mais il est épais, et donc vraiment le packaging est très joli, vous voyez on a des espèces de petites zébrures ou un truc dans le genre, et donc la brosse est somme toute une brosse assez simplounet. Je suis servie ce matin, donc sur cet œil là j'ai mis mon mascara de d'habitude, et sur cet œil là j'ai mis, et là j'ai trop de mal, je suis désolée, sur cet œil là j'ai mis donc le mascara My Little Beauty. Déjà il est plutôt facile à appliquer, il en met pas partout sur la paupière, il s'étale bien, il fait pas de paquet heureusement, et donc sur le moment c'est vrai que quand je l'ai appliqué je trouvais, j'applique mon mascara exactement comme d'habitude, hein. Mon mascara classique c'est le Rocket Volume de chez Je m'aime Maybelline. Et donc c'est vrai que j'avais l'impression que les cils étaient plus longs et étaient un peu plus volumineux. Et là, après quelques heures, c'est vrai que c'est pas... Ouais, si, ça se voit quand même. Moi, je le vois bien en tout cas. Je vois que ces cils-ci, ils sont quand même un peu plus intenses, un peu plus marqués. Ça, c'est le mascara My Little Beauty. Et là, c'est le Rocket Volume de chez Je m'aime Maybelline. Là, on voit quand même bien que cet œil-là est plus intense que celui-ci. Donc voilà, on a la preuve par 3. On a la preuve par cils. On a la preuve que j'ai... Que... Oh là, mon Dieu! On a la preuve qu'il tient quand même plutôt bien ses promesses, dans le sens où c'est vrai qu'il va donner un effet plus fourni aux cils, mais sans avoir le côté paquet, pâte d'araignée que je déteste. Ça fait quand même un effet plutôt naturel et moi c'est ça que j'aime. Après le côté soin, je ne sais pas du tout, honnêtement je ne sais pas comment je pourrais me rendre compte que mon mascara prend soin de mes cils, parce que je les perds pas tant que ça, ils sont pas forcément... Ils sont ni longs ni courts, ils se recourbent bien, donc je sais pas comment je pourrais me rendre compte s'ils en prennent soin. Mais en tout cas, niveau courbure, niveau volume, niveau intensité, il est très bien. Est-ce qu'il vaut 20€? Je ne pense pas. Mais c'est un très bon mascara, j'en suis très contente. En revanche, qu'est-ce que ça vient faire dans une box cosy? Parce que moi, les jours où j'ai envie d'être cosy et cocooning, perso, je me maquille pas. Qu'on se le dise, bon, il y a le côté soin, donc on peut dire on prend soin de ses cils, machin. Pourquoi pas? Hormis ça, je trouve que le produit est très très bien.
Et maintenant, on va passer aux goodies. Et le premier goodies, donc, il s'agit d'une petite boîte qui se présente comme ceci, donc avec un très joli verre et un petit oiseau, et c'est de la marque Love Organic. Et donc, c'est Rooibos Amande Infusion Bio 6 sachets mousseline. Dedans, on a donc on a rooibos biologique, amande biologique et arôme naturel. Donc au niveau de la composition, vraiment rien à redire, c'est super. Le rooibos jusqu'au bout de la feuille, froid on entend le bruit de vos pas dans les feuilles mortes, l'automne sent à plein nez et vous aussi avec votre tête de novembrienne, votre chignon déglingué et vos moufles en moumoute. Qu'une envie se réchauffer et bingo, Love Organic a ce qu'il faut. La marque est Baba du rooibos, la boisson phare d'Afrique du Sud qu'elle a alliée à quelques éclats d'amande histoire de vous faire une pause onctueuse et gourmande. Hop là, surveillez votre théière, elle s'enflamme là. À déguster l'après-midi et en bonne compagnie, qu'est qu'alors. Infusion rooibos amande Love Organic, 11,20€, la boîte métal 200 grammes. Donc dans cette boîte, on retrouve un petit sachet comme celui-ci, et donc c'est à l'intérieur que se trouvent les différents sachets. Donc comme vous l'avez compris, le rooibos c'est pas du thé, hein, ça contient pas de théine, c'est plus une infusion. Et donc ça se présente pas en feuilles, mais plutôt en espèce de petits copeaux. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais oh j'ai lu ok, ça se présente plus comme des petits copeaux. Et ça sent super bon. Alors quand ils ont parlé d'amandes, ils ont envoyé du bois quoi. C'est-à-dire que l'amande, alors là oui, ça sent l'amande quoi. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, ça sent l'amande. Mais vous savez les amandes effilées ou les amandes en morceaux qu'on met dans les gâteaux qui vraiment sentent l'amande, et ben je vous assure que ça sent ça. Et on en voit des éclats d'amande. Je vous promets qu'on voit les éclats d'amande. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, mais au bout de mon doigt, là, ce sont vraiment de vrais éclats d'amande. L'odeur, mais quand j'ai senti ça la première fois, je me suis dit, waouh, mais ça sent super bon. Et c'est super bon. Et moi, ce qui est bien, c'est que pour les personnes qui sont un peu excitées par tout ce qui est théine, vous pouvez prendre ça le soir sans souci, ça vous empêchera. Ça vous empêchera jamais de dormir. L'amande, alors faut aimer l'amande, hein, parce que l'amande est vraiment bien présente. Et j'ai trouvé ça vraiment délicieux, bon comme tout. Là. D'ailleurs, j'ai ma tasse qui est juste en face de moi. Là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre des gorgées, là. On a, avec la petite explication, on a une surprise. Love Organic offre 15% de remise aux abonnés My Little Box pour tout achat. Présentez ce coupon en boutique ou faites vos emplettes sur le site loveorganic.com avec le code... My Little Box. Voilà pour tout achat sur présentation du coupon, offre non cumulable valable une seule fois du 1er novembre au 15 décembre, inclus dans les boutiques. Pareil, je vous mettrai. Mais je suis folle ou quoi? Non, mais je l'ai passé tellement près de ma bouche que j'ai réussi à mettre du rouge à lèvres dessus, mais grosse gogole toi. Et j'étais en train de dire quoi? Je disais que j'allais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Pas de souci, mais je pense que cette fois-ci, je vais vraiment l'utiliser parce que ce petit thé-là, 100% rapport avec le thème. Goûter le rooibos, c'est pas comme du thé. Le thé, ça peut être un petit peu amer et on n'a pas cette amertume qu'on a derrière. Deuxième goodies. Donc le deuxième goodies se présentait dans une petite boîte comme celle-ci qui disait « All you need is coffee » avec un petit dessin de cafetière. Donc à l'intérieur, on avait... Alors je fais bien attention. On avait un petit mug. Attendez, je vais boire un peu parce qu'il y a mon rooibos qui est dedans. C'est trop bon. Et ils nous ont fait un petit mug. Un petit mug tout mignon. Donc de ce côté-là, on retrouve un petit dessin de Kanako. Donc on a une petite demoiselle qui est en train de boire dans sa propre tasse. Et de l'autre côté, on a How is your day gonna be? Donc avec une jolie trace de rouge à lèvres parce que je suis en train de boire dedans. Et donc dans le fond, là je vais pas vous montrer parce que si je vous fais ça, ça va tout se renverser. On a un petit happy. Donc vous pouvez vous faire vos expressos là-dedans parce que c'est vraiment la tête d'un expresso. Le rooibos, j'ai envie de m'en... Je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Si je me gourre, n'hésitez pas à me le dire. Parce que vu que ça s'écrit R2OIB machin, ben je préférerais dire rooibos que roabos ou je sais pas quoi. Si je me trompe, dites-le moi, mais moi je vais dire rooibos, on s'en bat les steaks. Le dernier goodies, donc, il se présente comme ceci. Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on a une espèce de petit pochon rouge avec des petits pois blancs. On a différents pois, on a même une petite tétouille de chat. On a une espèce de petit machin chose ici, avec un petit ruban où c'est marqué Tsumori Chisato. Donc ça c'est la créatrice de ce petit objet là. Et donc c'est My Little Bouillotte by Tsumori Chisato.
My Little Bouillotte, quoi. Ils nous ont mis une bouillotte. Ils nous ont mis du thé, ils nous ont mis un mug, ils nous ont mis une bouillotte. Mais ils pouvaient pas... Ben c'est le tiers, c'est gagnant dans l'ordre, là. Ils pouvaient pas faire mieux. Une bouillotte. Une bouillotte. Ils ont tout bon, quoi. Petite bouillotte à réchauffer délicatement au micro-ondes. PS, si vous n'en avez pas, aucun souci, notre bouillotte s'utilise aussi en coussin de relaxation. Donc on enlève, hop, le petit ruban. Et ça se présente comme ça, donc voilà, ça forme un petit coussin tout mignon. Il faut d'abord humidifier ce petit coussin, le mettre au micro-ondes. Donc il faut bien vérifier la puissance du micro-ondes. Donc 30 secondes si vous avez un micro-ondes entre 700 et 800 watts et 20 secondes si vous avez un micro-ondes entre 900 et 1000 watts. Le temps de chauffe ne doit pas dans tous les cas excéder 30 secondes et il ne faut pas effectuer plus de deux fois d'affilée. Placez le coussin bien au centre du plateau via ce qui ne touche pas les bords ni ne bloque la rotation du plateau. Chauffez le coussin en restant à proximité. Évitez tout contact avec les enfants, ne pas avaler le contenu. Une fois que c'est sorti du micro-ondes, en fait, il faut le secouer pour bien répartir la chaleur. Et si le coussin est endommagé, il ne faut plus l'utiliser et toujours conserver la notif et ne pas le laver. Donc on va aller tester ça pour voir ce que ça donne. Donc voilà ma petite bouillotte, j'ai été la faire chauffer et c'est vrai que c'est super agréable. Alors j'aurais pu la faire chauffer encore un petit peu plus longtemps, mais j'ai eu un petit peu peur de la faire chauffer trop longtemps. Donc voilà, bien secouer pour bien répartir la chaleur un petit peu partout. Et ça peut être super sympa par exemple si vous avez mal à la nuque, vous mettez ça derrière. Et là, ça peut être super agréable. C'est tout chaud, ça, vous savez, ça va détendre un petit peu, ça va détendre les muscles, ça va détendre un petit peu les cervicales, tout ça. Et ça, oh, ça fait trop du bien. Franchement, c'est super agréable. Une petite bouillotte comme celle-ci, vous pouvez aussi la mettre sur votre ventre. Je parle notamment pour les filles qui ont des soucis de règles douloureuses. Sachez que quand vous avez des règles douloureuses, c'est très bon de mettre quelque chose de chaud sur votre ventre. Donc voilà, vous pouvez mettre cette petite bouillotte-là. Quand vous arrivez de dehors et que vous avez froid aux mains, hop, 30 secondes au micro-ondes, ça peut vous réchauffer les mains. Vous pouvez mettre ça sur les pieds, vous pouvez mettre ça sous votre tête. Enfin, vraiment, c'est génial. Enfin, je vais essayer de en prendre vraiment soin pour que ça dure le plus longtemps possible. C'est une super idée. Une petite bouillotte au micro-ondes, comme ça, sous forme de coussin. Enfin, c'est top de chez top. Franchement, ils ont une super bonne idée et j'en suis super fan. Je sens que je vais passer mon temps à m'en servir cet hiver, ça va être trop bien. Et donc voilà, si jamais la créatrice a un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Si jamais il y a moyen de se procurer cette petite merveille, je vous le mettrai également. Mais vraiment très très bonne idée, 100% rapport avec le thème. Donc là je dis bravo, ce goodies est génial. Donc voilà tout le monde, la box est vide. Je vous ai tout présenté, donc le petit bilan comme d'habitude. Je l'adore, c'est ouf, c'est l'une de mes préférées. Le thème déjà, bah, le thème me parlait parce que alors moi et le cozy, moi et le cocoon, enfin j'adore, moi tout ce qui... Quand il s'agit de me mettre dans mon petit confort, il n'y a pas de souci. On avait quand même 3 produits et 3 goodies, donc très généreux. Les produits, la crème pour les mains, 100% rapport. Le mascara... pas trop de rapport mais efficace tout de même, bon produit. Les petits savons, c'est vrai que ça va pas forcément trop rapport mais ça sent très très bon. Les goodies, alors là ils ont misé 100% juste, bingo, ils sont rentrés dedans à mort quoi, franchement ils ont trop misé juste. Le thé est super bon, ça c'est genre je m'en régale, c'est sûr je m'en rachèterai. La petite tasse elle est mignonne comme tout, la bouillotte. Adorable, enfin vraiment ils ont tout bon, on a des codes promo à foison donc là vous pouvez vous faire plaisir. Vraiment tout bon, je vais aller voir un petit peu les autres versions que d'autres personnes ont pu avoir, mais je la trouve vraiment super. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé et pourquoi. Vraiment ça m'intéresse de savoir un petit peu les avis parce que moi je l'adore, mais pourquoi est-ce que d'autres personnes pourraient ne pas l'aimer ou l'aimeraient par exemple. Celles qui ont eu une autre version différente, qui ont eu des produits ou des goodies différents, surtout n'hésitez pas à me le dire aussi. Si jamais vous avez envie que je vous parle d'une box. C'est vrai que je suis abonnée qu'à My Little Box et l'autre style de box que j'avais testé c'était la box de chez MySkit en collaboration avec Sana de la chaîne Sananas 2106 et c'est les deux seules box que j'ai testé. Donc si jamais vous avez envie que je teste une autre box, voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça peut vous être utile, pourquoi pas. Je resterai abonnée à My Little Box bien sûr parce que j'adore, mais je pourrais très bien un mois par-ci par-là en tester une autre. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire, si vous avez des suggestions dites-les moi.
N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre d'infos où j'aurais mis tous les liens utiles avec les codes promo, etc. De même que dans la barre d'infos, je vais avoir tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook. J'ai même rejoint Ask il n'y a pas longtemps et tout machin pour essayer. J'ai aussi mes liens de parrainage pour les ventes privées qui sont super intéressants. Vous pouvez avoir quelques petites réductions quand vous vous parrainez. De même chez iGraal, si jamais vous connaissez iGraal, j'ai aussi mon lien de parrainage. Et voilà, c'est des petites choses qui peuvent vous permettre de faire du shopping et de gagner de l'argent ou à prix réduit. Donc voilà, ça peut vous être utile. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Ça me fait toujours très très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à commenter, parce que moi, c'est un plaisir de lire les commentaires. J'en ai pas très très souvent et ça m'embête vraiment. Je suis là pour échanger, pour avoir des retours. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir des avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant que ça reste respectueux. Je les accepte et c'est ce qui me fait avancer. Donc surtout, n'hésitez pas à échanger avec moi et voilà, me dire ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir. Prenez grand bien soin de vous, vu tout ce qu'on a dans la box. Il y a moyen de prendre soin de soi, il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!